Hola, amigos, bienvenue sur la chaîne Eviguidance, la chaîne de la clairvoyance et de la clairsentience. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. C'est très important pour moi que vous alliez bien. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse de vous retrouver. C'est vraiment pour moi. Vous êtes vraiment très important pour moi. Voilà, ceci étant dit, nous allons voir le clin d'œil du jour avec le tarot de Marseille. Il y a une variante, bien sûr. Je le dis à chaque fois parce que sinon on m'envoie des messages en me disant que ce n'est pas du tarot. Mais c'est le tarot de Marseille. Simplement, c'est une variante. Allons prendre la première carte. Une très belle carte. La carte du magicien. Alors là, c'est une très jolie carte qui nous montre qu'aujourd'hui, vous avez peut-être une opportunité, peut-être de débuter, de démarrer quelque chose. En tout cas, vous avez tous les outils nécessaires pour commencer quelque chose. Vous avez cette force, cette conviction, et vous allez planter la graine qui va donner un arbre fruitier. À vous de faire attention à la graine que vous allez planter. Si cette graine n'est pas une belle graine, forcément, elle ne donnera pas un bel arbre. C'était le clin d'œil. Nous allons faire un petit tirage d'amour, sur l'amour, bien sûr. Je vous ai mis deux petits tas ici que nous regarderons à la fin pour voir les surprises. Voilà. Alors, nous allons couper. J'ai déjà mélangé les cartes, mais je vais recouper. J'ouvre Gmail. Une carte. Bon, excusez-moi pour les bruits que vous entendez, mais je ne suis pas seule. Voilà. Alors, ici nous avons le féminin, l'amour. Et ici nous avons le papillon. Alors là, c'est vraiment très clair. Là, nous avons vraiment envie de papillonner, d'être amoureux, d'avoir plein de surprises, de s'ouvrir à l'amour, hein, justement. Regardez ce joli cœur, ce joli papillon et que cette jolie nana. On a vraiment envie de rencontrer quelqu'un ou alors de savoir si la personne que l'on a dans la tête a des sentiments pour nous. Voyons voir plus loin. Alors, la lumière. Et la montagne. La lumière et la montagne. Je vais les mettre comme ça, là, comme ça, vous verrez mieux. Voilà. La lumière et la montagne. Donc, la montagne, ça veut dire que vous avez vraiment, vraiment, vous arrivez vraiment de loin. Vous avez eu, excusez-moi, beaucoup de peine. Vous avez grimpé longtemps sur des monts enneigés. Vous avez souffert, bien sûr, parce que votre cœur est percé, il laisse passer la lumière. Bien sûr, vous avez eu des déboires amoureux. Mais aujourd'hui, les deux premières cartes nous montrent que vous avez envie d'une histoire d'amour. Vous êtes prête. C'est trop mignon. Alors moi, je vous dirais avec cette carte-ci, vous avez vécu des amours passionnels. Ne recommencez pas avec ces amours passionnels parce que ça vous a laissé une brûlure à l'estomac. Même si vous aimez ces histoires d'amour, faites attention à votre petit cœur. Ah ouais, là, il y a beaucoup de souffrance, hein. Il y a eu énormément de souffrance. Il y a eu beaucoup de perturbations. Les mécanismes de votre cœur en ont pris un coup, si je peux me permettre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, votre cœur laisse passer la lumière. Hein. Il est percé. Il est troué. Prenez soin de vous, mes amis. Oh. Avec la carte de la jalousie,
Vous avez été quelqu'un de très jaloux ou alors vous avez été avec quelqu'un qui vous a vraiment fait des crises de jalousie. Et vous avez eu beaucoup, 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 beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Vous avez connu les petits démons. Les petits démons qui sont en chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, cette problématique ne fait plus partie de votre vie. Vous devez souffler et laisser partir toute cette souffrance. Si vous êtes en couple et que vous regardez ce tirage, sachez que les moments que vous avez vécu avec votre mari ou avec votre femme, avec votre compagnon, sont vraiment, ils ont été difficiles, très durs, mais vraiment, avec les deux premières cartes qui sont sorties, on a vraiment envie de se redécouvrir, de se donner une seconde chance. Voyons voir. Ah ouais, là c'est un non catégorique. Voilà. Ce que vous avez vécu, vous ne voulez plus le vivre. Donc, vous serez des personnes très avisées. Vous allez faire attention. L'amour-passion, ici, il n'en est plus question. Voyons voir plus loin. Oui, vous avez fait votre deuil, hein, une histoire d'amour. Oui, vous revenez de loin. Vous avez été enfermé, carrément enfermé. Vous avez souffert le martyr. Ça, vous n'en voulez plus, hein. Malheureusement, oui, il faut du temps. Il faut laisser faire le temps. C'est beau. Là, vous êtes dans le pardon. Il faut du temps pour pardonner. Et vous avez vraiment dégusté. Hein. La cigogne nous annonce une nouvelle histoire. Attention. Attention à l'emprise que vous avez. Vous êtes quelqu'un qui s'attache vite. Vous faites trop confiance, trop vite. Faites le deuil de cette histoire. Nous allons tirer une dernière carte, mes amis. Ouh ! Le chemin. Vous avez le chemin qui s'ouvre. Laissez le passé derrière vous. Ouvrez-vous à ce nouveau chemin. Ne vous trompez pas de route. Allez, on va prendre une dernière carte. Oh ! La plus belle carte, l'amour. Voyez ce chemin, il s'ouvre à vous. Il s'ouvre à l'amour. Deux cœurs ensemble. Voilà. Moi, avec ce tirage, j'ai l'impression que vous êtes prêt aujourd'hui, prête à rencontrer l'amour. Si vous avez quelqu'un dans la tête, sachez que c'est une personne qui a beaucoup souffert. Vous, vous avez beaucoup souffert aussi peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, un nouveau chemin s'ouvre. La cigogne nous dit qu'aujourd'hui, une nouvelle histoire s'annonce. L'ancien est parti. Le sac de la cigogne nous montre, je pars, je prends mes clics et mes claques et je recommence une très belle histoire. Nous voici ici, dans le cœur de l'amour. Moi j'adore cette carte, elle est trop belle. Allez, je suis curieuse, j'en prends une autre. Soyez quelqu'un de constant, hein, parce que vous êtes vous avez beaucoup de hauts et de bas. C'est très marqué. Hein. Un coup oui, un coup non, je veux pas, je sais pas, je suis pas trop, machin, tout ça. Non, il faut vraiment garder le cap. Gardez la route. Droit devant vous. Essayez d'être constant. Essayez d'être toujours d'une humeur, voilà. Essayez d'être dans la joie. Parce que vous, alors, chaque jour, c'est une humeur différente. Hein.
Allez, j'en prends une autre, j'ai trop envie. Oui, alors vous allez rencontrer l'amour, hein, c'est sûr et certain. Ça se passe peut-être sur les réseaux, vous allez avoir une nouvelle. Si vous avez quelqu'un dans la tête, il va vous écrire, vous allez avoir des nouvelles. Voilà, mes amis. Ça a été long. On a eu beaucoup de cartes difficiles. Mais nous avons quand même eu une très belle carte à la fin. La plus belle carte qui y a les deux cœurs. N'oubliez pas le chemin, la route que nous avons vue. Il faut la prendre. Il faut oublier tout le passé. Voilà, nous avons ici deux petits tas de cartes. Enfin, c'est deux cartes en fait. Hein. Une et deux. Une et deux. Il y a la pierre noire et la pierre orange. Donc, je vous laisse choisir entre les deux. Nous allons faire une petite respiration. Nous allons commencer par la pierre noire. Voyons voir ce qu'il nous dit. Toujours dans l'amour. La lune. C'est magnifique. La lune, la reine des cieux et le soleil. Deux astres. Alors pour vous, c'est magnifique. Si vous demandiez si ça va aller, si ça va marcher, si vous rencontrez l'amour, la réponse est oui. Voyons voir avec la pierre marron. Rouge, je ne sais pas bien ce que c'est ça. Ah oui, la 18. Il y a une récolte, hein, vous récoltez. Tout ce que vous savez semer, tout l'amour que vous avez donné, tout l'amour que vous avez envoyé, vous revient. C'est l'époque des moissons. On récolte, on récolte, on récolte. C'est très beau. Et l'impératrice, oh, l'impératrice, c'est magnifique. Vous vous révélez. Tout ce que vous avez gardé en vous, ça y est, ça sort. Vous rencontrez. C'est vraiment très beau. Un très beau jeu. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Comme il m'a plu à moi de le faire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt, mes amis. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des commentaires si ça vous a plu. Adios, amigos.